Guifette est un oiseau très farouche. Elle vit en groupe. Elle est très sensible au moindre changement dans son environnement. C'est pour cette raison que j'utilise une longue focale, un 700 mm. J'arrive de nuit, je suis caché à l'intérieur d'un effluent flottant et je ne m'approche pas des nids. C'est le début de l'été et les guifettes moustaques ont donné naissance à 3 poussins. La guifette moustaque est une petite sterne à la silhouette trapue. Son vol est léger, tout comme son poids d'ailleurs, entre 80 et 95 grammes. Et pourtant, c'est un migrateur au long cours qui hiverne principalement en Afrique de l'Ouest, au Zaïre, au Togo. Environ 6000 km sont parcourus pour venir jusqu'à nous. Cette scène se déroule sur un étang quelque part en Sologne. Ce sont des lieux privilégiés pour les oiseaux, car la présence de végétation aquatique bien développée, nénuphars, renouées amphibies, plantains d'eau, potamos et bien d'autres encore, est primordiale pour l'installation d'une colonie. Cette végétation aquatique constitue un socle pour la construction du nid. C'est la clé du succès de la reproduction, et en Sologne, il y a le choix. Pour construire le nid, les oiseaux amoncellent en entrecroisant à plat des tiges vertes sur une épaisseur de 15 à 20 cm et forment ainsi une plateforme de 40 à 50 cm retenue par la végétation existante. 3 œufs sont déposés, en moyenne, d'avril à juin. L'incubation dure 20 jours. Elle est assurée par le couple. Les poussins sont élevés par les deux parents. Ils quittent le nid au bout de 12 à 14 jours et prennent leur envol au bout de 3 semaines. Le succès de la reproduction dépend des conditions météorologiques, bien sûr, des vents forts, des averses abondantes, mais aussi de l'épandage d'herbicides ou de l'introduction de poissons herbivores, entraînant une raréfaction des zones favorables pour la guifette. Pour nourrir ses petits, la guifette ne cesse de voler au-dessus des plans d'eau pour capturer les proies au milieu des nuées d'insectes, comme la libellule. Ce sont des protéines indispensables pour la croissance. La guifette moustaque, à la tête effilée et aux ailes pointues, lui donne une allure très élégante et gracieuse. Quant aux poussins, eux, au duvet chiné, ils se confondent dans le décor. Et nous leur souhaitons une très belle et longue vie.